Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Croyez-moi, mes frères et sœurs, dans les derniers jours, il n'y a rien de plus important que la parole de Dieu. Rien. Absolument rien de plus important que la parole de Dieu. On peut avoir beaucoup de choses, on peut être béni, mais la lumière de l'Évangile, la conviction que ça emmène dans notre cœur, n'est rien de comparable avec absolument rien. C'est pourquoi je veux vous encourager à vous tourner vers la parole de Dieu. C'est une richesse incroyable. Incroyable. Un trésor qu'on ne peut pas mettre de valeur. La parole de Dieu. Et quand nous découvrons quelque chose dans la parole de Dieu, cela nous réjouit le cœur. Nous donne une joie incomparable, parce que nous avons entendu la voix de Dieu. Vous lisez la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu vous parle. Vous entendez de Dieu, mais qu'est-ce que vous voulez de mieux? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que d'entendre la voix de Dieu? Vous pouvez entendre la voix de votre femme qui vous dit « je t'aime », la voix de votre fiancé qui vous dit « je t'aime » à la folie. C'est bien, on rit, on est content. Mais quand on entend la voix de Dieu, quand l'Esprit de Dieu nous parle dans sa parole, il n'y a rien de comparable. Rien. C'est pourquoi c'est important pour nous de nous tourner vers la parole de Dieu et de laisser le Seigneur nous éclairer, nous parler. Non seulement ça fait notre journée, mais ça fait notre semaine. C'est incroyable. Et on ne peut pas se laisser prendre au piège en nous disant qu'on n'a pas le temps. C'est une tromperie. C'est un mensonge que nous acceptons. Et on accepte de vivre cela. Les chrétiens acceptent de vivre sans la parole de Dieu. Et ils sont contents et ils disent qu'ils sont bien. Bien jusqu'au moment où l'épreuve vient, la difficulté vient, la tentation vient. Et on tombe dans le piège. Pourquoi dans notre cœur, on doit toujours avoir quelque chose de frais. De frais. Une révélation fraîche. Un encouragement frais. Instantané. Dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Donc je ne peux pas suffisamment mettre de l'accent là-dessus. Parce que dans le monde que nous vivons, je crois que nous réalisons tous que le temps passe très vite. Ces 12 heures de temps de la journée passent très très vite. Et nous avons besoin d'avoir un temps pour la parole de Dieu. Je ne peux pas suffisamment vous encourager. Parce que les chrétiens, la Bible nous dit par manque de révélation, mon peuple, il périt. Périt. On a besoin de quelque chose dans notre cœur, quelque chose de vivant, quelque chose de qui bouge pour faire face au lendemain, aux attaques de l'ennemi dans le mauvais jour, comme l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens. Il y a des mauvais jours. Pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu? Rien de plus extraordinaire que ça. Rien de plus extraordinaire que ça. Ceci dit,
Je veux vous encourager ce matin du danger d'être satisfait. Le danger d'être satisfait de ce que nous sommes, d'être satisfait d'être un chrétien, d'être satisfait d'appartenir à une église, d'être satisfait de beaucoup de choses. Dangereux. Dangereux. Je répète, nous sommes dans les derniers jours. Et les forces de l'enfer sont révoltées contre vous et moi et le peuple de Dieu. Les non-chrétiens, le diable a déjà, ils sont déjà la possession de l'ennemi. Mais nous, les enfants de Dieu, l'ennemi dans ces derniers temps est révolté. Les forces du diable, les esprits méchants, le diable lui-même, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit, soyez sobres, veillez. Humiliez-vous devant le Seigneur. Parce que l'ennemi, dans ses derniers jours, il va se saisir de n'importe quoi pour essayer de nous détruire. Mais qu'est-ce que nous avons en nous pour faire face? Quoi? Nous avons besoin de l'Évangile dans notre cœur. Nous avons besoin de l'Évangile dans notre cœur. Je viens de mentionner ce qui se passe dans les lieux célestes. Je crois qu'il vous faut comprendre. Je parle de ça souvent, de ce texte de Éphésiens chapitre 6, mais il est temps pour le peuple de Dieu de comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Entre les forces des ténèbres, leur jeu, leur action, leur mobilisation, dans les lieux célestes, pour agir dans ce monde, par toutes sortes de moyens et à travers toutes sortes de personnes. Il a ses lieutenants, il a ses généraux, à travers qui il œuvre et il emmène des déceptions pour détruire, pour détourner le cœur des chrétiens de Dieu, pour nourrir la chair du peuple de Dieu. Il y a de nouvelles choses tous les jours, inventées par les hommes, guidées par les forces spirituelles dans les lieux célestes. Il nous faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Les inventions ne sont pas simplement de l'intelligence de l'homme. Mais il y a des inventions, il y a des nouvelles choses. Il y a des nouvelles stratégies de la part de l'ennemi pour inventer des nouvelles choses pour détruire. Pour détruire. Combien de chrétiens sont détruits aujourd'hui par beaucoup de moyens nouveaux, beaucoup de choses nouvelles que nous entendons, et il y a des choses que nous ne connaissons même pas, dont le diable est l'auteur. Il est l'auteur des principautés. Je ne suis pas en train de parler des démons dans la vie des gens. Je ne suis pas en train de parler que les démons captivent les chrétiens, habitent dans les chrétiens. Je ne suis pas en train de parler de ces choses-là parce qu'en ce qui me concerne, ça n'existe pas. Mais je parle
des actions, de ce qui se passe dans les lieux célestes, qui affecte le monde entier, qui dirige plus ou moins le monde entier. Le diable, la Bible nous dit, il est le prince de ce monde. Il n'est pas au-dessus de Dieu, mais Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et Dieu a prévenu des choses qui devaient se passer dans les derniers temps. Il n'a pas menti. Il n'a pas inventé les choses. Dieu ne nous dit pas les choses pour nous faire peur. Non. Il parle de la vérité. Et les choses qui se passent aujourd'hui sont permises par Dieu. Oui. Parce que Dieu a un plan. Dieu a un temps. Pour toutes choses. Et nous les chrétiens, il ne faut jamais être satisfaits de ce que nous avons, de ce que nous sommes. Jamais. Ça serait la pire des attitudes. C'est juste d'être complaisant. D'être satisfait, d'être content. Je suis un chrétien. Je porte mon offrande. Je viens, je loue le Seigneur. C'est bien tout ça. On est satisfait. On fait quelque chose pour le Seigneur. Il faut faire attention d'être trompé. On ne doit jamais être satisfait. Il doit y avoir une attitude en nous qui veut toujours progresser. Toujours. Le fait de s'être satisfait de ce que nous sommes est un danger. Parce que nous ne connaissons pas les plans de l'ennemi. Nous connaissons le plan de Dieu pour notre vie. Pas totalement. OK? Mais la seule chose que nous connaissons des plans de l'ennemi, c'est qu'il veut nous détruire. Mais on ne connaît pas ces ruses. On ne connaît pas. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ne sachant pas les plans et les ruses et les pièges de l'ennemi, ils ne sont pas suffisamment affermis et ils tombent là-dedans. Parce qu'ils sont satisfaits d'être un enfant de Dieu, de connaître un peu de vérité, de porter une offrande au Seigneur? Non. On n'a pas le droit aujourd'hui d'être un chrétien satisfait. On comprend quelle idée qu'il y a derrière ce que je dis? Parce qu'on a la joie du Seigneur, on a la paix du Seigneur, on est content. Ça, c'est vrai. Mais je parle d'une satisfaction d'être ce qu'on est et de ne pas vouloir davantage progresser et entrer dans une plus grande, profonde maturité. Mais ce qui est dommage, c'est que la plupart des chrétiens sont satisfaits. La plupart des chrétiens sont satisfaits là où ils sont. Ils ne connaissent pas les pièges de l'ennemi. Ils connaissent en général que l'ennemi a un plan, mais ils ne connaissent pas ses ruses, ses pièges et tout ce qu'il a devant nous. Nous ne connaissons pas. Et c'est dangereux d'être satisfait sans connaître cela. Très dangereux. Très, très dangereux. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle d'un combat. La vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne n'est pas un sommeil. La vie chrétienne est un combat. Pas contre le diable, un combat de la foi. Combat le bon combat de la foi à laquelle tu as été appelé et que tu as fait devant beaucoup une confession. Et l'apôtre Paul compare cette confession. Allez, lire bien dans 1 Timothée, vous allez voir. Il parle de la confession
que les chrétiens font. Comme quoi, qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont des chrétiens, ils ont un témoignage quelconque. Ils ont fait une confession devant un grand nombre de témoins. Et l'apôtre Paul compare cette confession à la confession que Jésus a faite devant Pilate. Jésus, Pilate a dit, qui es-tu? Il a dit, moi je ne suis pas de ce monde. Je suis né, je suis dans le monde. Je suis venu dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Oui. Allez, lire bien l'épître de Timothée, vous allez voir. Combat le bon combat de la foi à laquelle tu as été appelé et devant lequel tu as fait une confession devant beaucoup de témoins. Lisez la suite. Oh, je suis un chrétien, moi, mais ceci, cela, ceci, cela. Ouais. Et après. Fais attention. Attention. Nous vivons dans un monde de danger. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. On vit dans un monde entouré de ténèbres. Des gens mauvais, irreligieux, indépendants, rebelles, pécheurs, pleins d'iniquité. Ah, il y a la liste. Combat de la foi. Donc n'oubliez jamais ce qui se passe dans les lieux célestes. Et comment l'ennemi commande les choses. Et il le fait à travers des inconvertis qui ont le cœur tordu et qui sont les instruments du diable. Il nous faut faire attention. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. Je vous demande d'aller faire une étude sur ce que je vais lire. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 3. Et vous allez faire votre étude. Et moi, je vais juste vous mentionner la chose. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Vous voyez un progrès? Hein? Vous voyez? Comment l'apôtre Paul était heureux? Heureux d'entendre que les Thessaloniciens, leur amour, leur progrès étaient d'une manière continue. Et il dit, aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et de vos afflictions, que vous avez à supporter. Je ne sais pas comment les gens lisent la Bible. Comment ils ne voient pas la vie chrétienne dans tout ce que les apôtres ont écrit, la vie chrétienne normale? Comment ils ne la découvrent pas? Il y a un aveuglement dans l'Église aujourd'hui, un aveuglement total de ce que la vie chrétienne représente, de ce que le chrétien doit vivre. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu, écoutez ça bien, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Laissez ce travail pour Dieu. Laissez ce travail pour Dieu. Ça ne vous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Dieu a la responsabilité de cela. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous.
lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra. Du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu. Vous voyez la suite? La suite concerne, à mon avis, deux catégories de personnes. Vous allez étudier. Premièrement, pour ceux, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Normal. On n'en discute pas là-dessus. Malgré que les religieux n'acceptent pas cela. Mais nous, les chrétiens, nous savons. Amen. Que Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu juste, et il a offert le salut à tous, et ceux qui le refusent, ce n'est pas notre problème, ni le problème de Dieu. Donc, premièrement, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et, deuxièmement, c'est quoi? Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Est-ce que c'est la même catégorie de personnes là, ou bien il y a deux catégories de personnes? Est-ce que c'est la même personne? Ça aurait été la même personne s'il n'y avait pas le mot « ceux » dans la deuxième partie. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Alors là, je ne fais pas une grande révélation en personne. C'est pourquoi je vous demande d'aller faire votre propre étude pour savoir vraiment qui ça concerne. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru quand notre témoignage auprès de vous a été cru. Moi, je pense, mes frères et sœurs, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avertissements, de mise en garde dans la parole de Dieu. Pour nous, les chrétiens, qui vivent l'époque de la venue de Jésus. Vous avez remarqué, allez lire encore dans l'épître de Philippiens, vous allez voir, comment, qu'est-ce que Paul dit presque toujours quand il parle de l'avènement. Qu'est-ce qu'il conseille aux chrétiens? Qu'est-ce qu'il désire pour les chrétiens au jour de l'avènement, quand Jésus paraîtra? Je lis un texte, mais allez voir, vous allez voir en plusieurs textes. Paul parle de la condition de cœur des chrétiens au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien prend trop de chance aujourd'hui. Il prend trop de chance. Il croit que tout sera en sa faveur. Il prend des risques. De la même manière qu'il y a des gens qui prennent des risques dans la vie. Beaucoup de risques. Il y a des gens qui ne connaissent pas surfer et ils vont surfer dans les grandes vagues. Et puis ils s'écrasent la figure. Ils risquent. Et malheureusement, dans le monde chrétien, il y a beaucoup de chrétiens qui risquent leur vie en étant satisfaits de ce qu'ils sont, ne sachant pas qu'est-ce que l'avenir les attend. Quels sont les pièges qui sont devant eux? Je ne suis pas en train de vous parler d'un évangile négatif, mais je suis en train de vous mettre en garde. Car l'ennemi ne dort pas. Il est à l'œuvre. Et je suis sûr que vous pouvez le remarquer là où vous allez. Des nouvelles choses que vous entendez. Des nouvelles choses qui se passent. Pas seulement dans notre petite île Maurice, qui est 10 années à l'arrière, mais qui a l'air de se rattraper. Rapidement.
les choses qui se passent ailleurs, démoniaques, sataniques, hein, engendrées par l'ennemi, par le diable. Ne croyons pas que nous sommes si forts pour pouvoir gérer notre propre vie. Ne croyons pas que nous sommes si forts parce que nous nous asseyons ici tous les dimanches matins. Ne croyons pas que nous sommes en sécurité parce que nous prions 5 minutes par jour. Quelle sécurité que nous pouvons avoir si nous sommes des chrétiens charnels, hein, qui ne se tournent jamais vers la parole de Dieu, qui n'ont pas le temps pour la parole de Dieu. Quelle est votre protection? Quelle est votre sécurité? Il est temps. Il est temps que nos yeux s'ouvrent un petit peu et qu'on réalise dans quelle époque qu'on vit. Et ça va vite. Très très vite. Pas de place. Pas de temps. Mon agenda, il est rempli. Mais déremplis-le. Vide-le. Donc je vois qu'ici, Paul parle à des non-chrétiens et à des chrétiens rétrogrades. Et moi, rétrogradé, jamais. Tu peux croire. Moi, rétrogradé, jamais. Il y en a des milliers qui ont causé comme vous. Il y en a des milliers qui ont dit la même chose. Moi, rétrogradé, et puis ils se trouvent bien, bien loin. Plus loin que rétrogradé, tout. Nous croyons que la vie chrétienne est une chance. On prend des chances, on prend des risques. Hein? Et puis on entend parler. Ah, tel frère, regarde où il est. Telle sœur, regarde où elle est. Mais pourquoi? Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissance, afin de tenir ferme dans le mauvais jour. Alléluia. Et vous qui m'écoutez, vous, pareil, je vous encourage. Ne risquez pas votre vie spirituelle. Ne prenez pas des chances pour continuer comme vous êtes en train de vivre, satisfait de votre vie. Non. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu nous a créé l'homme, nous a créé l'homme avec quelque chose en lui qui, en contact avec l'Esprit de Dieu, est la seule chose qui peut le satisfaire. C'est pourquoi le chrétien a le droit. Il n'a pas seulement le droit, mais c'est son héritage d'être nourri par un évangile qui va satisfaire son cœur. C'est son droit d'avoir ça. C'est son héritage, ça. Dieu a créé l'homme comme ça. Dieu n'a pas fait d'erreur. C'est pourquoi la seule chose qui peut satisfaire le chrétien, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre sport, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas toutes ces choses-là. La seule chose qui peut vraiment, vraiment, vraiment satisfaire votre cœur, c'est la lumière de l'Évangile. Amen. Amen. Toute autre chose, c'est passager. Passager. Tu es content un jour, tu as une longue tête le lendemain, hein? Ouais. Tu fais quelque chose de pas mal aujourd'hui, demain il y a quelque chose qui te tombe sur la tête.
ne sais pas comment gérer la chose, tu paniques, tu finis dans la dépression. Hein? C'est ça la vie du chrétien? Est-ce que Dieu n'a pas tout donné pour nous équiper? Hein, pour vivre ces derniers jours? Il ne nous équipe pas? Bien sûr qu'il veut nous équiper. Hein? Mais il veut voir aussi son peuple aller à la rivière pour boire. Il veut voir son peuple avoir un cœur assoiffé pour ces choses spirituelles. Laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. La parole de Dieu contient tellement, tellement, tellement de choses pour nous parler. Ça, c'est votre responsabilité personnelle. Et deuxièmement, d'avoir des hommes de Dieu qui vous éclairent, qui vous illuminent, qui vous emmènent la révélation de l'Évangile. C'est ça qui vous fait permet de continuer à vivre. Mais vous ne pouvez pas dépendre là-dessus totalement. Il faut faire attention de nous retrouver dans la catégorie des chrétiens rétrogrades. Parce que dans les derniers jours, si vous avez commencé à rétrograder, je vous plains. Si vous avez commencé à rétrograder dans ces derniers jours, pour remonter le courant. Vous savez, quelquefois, vous passez peut-être dans un endroit où vous voyez la rivière, bien une rivière, il y a des dizaines de rivières à l'île Maurice. Okay. Il y a des jours où vous passez par là, ah ben, c'est un petit courant d'eau qui passe. Il n'y a pas eu de pluie pendant beaucoup de temps, c'est un petit courant d'eau qui passe, ça part comme ça, tranquille. Vous vous asseyez là, c'est merveilleux. Mais il y a des jours. Il y a des jours. Hein? Ce n'est plus un petit courant d'eau. Hein? C'est une avalanche. Mais comment remonter ce courant? Comment essayer de remonter ce courant? Si seulement vous pouvez juste tenir, essayer de vous accrocher à quelque chose. Mais là, ce n'est pas une question de s'accrocher, c'est une question de remonter le courant parce que vous êtes dans un mode de rétrograde. Quand vous arrivez dans un mode de rétrograde, il faut remonter le courant. Il faut remonter le courant. Il ne faut pas croire que la pluie ne va jamais tomber. Il ne faut pas croire que les attaques de l'ennemi ne vont jamais venir. Il ne faut pas croire que ça sera une petite bêtise demain matin. Non. Il nous faut toujours avancer dans notre maturité spirituelle. Amen. Avancer. Il y a des choses, je disais à quelqu'un dernièrement, je lui dis, vous savez, dans le naturel, il y a, vous allez mettre votre enfant à l'école dans grade 1. C'est-à-dire, ils viennent d'entrer à l'école. Il va apprendre des choses, mais franchement, 1 plus 1 égale 2. Hein? A, B. Il y en a qui apprend. Mais vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des choses comme ça. Il y a le béaba. Il y a 1 plus 1 égale 2. Comme les enfants de grade 1, ça doit être le minimum. Mais il y a tellement de chrétiens aujourd'hui qui ne vivent même pas le minimum. Et ils sont en conflit avec des gens. C'est un conflit, comme on a parlé ce matin.
ne pardonne pas. Mais le pardon, c'est quoi? C'est 1 plus 1 égale 2. Non. Le pardon, ce n'est pas high school certificate et baccalauréat. Non. Non. Ne croyez pas qu'il faut arriver au baccalauréat. Hein? Non. Grade 1. Et c'est ça la maturité. C'est ça de grandir, c'est ça de progresser, comme l'apôtre Paul dit dans son épître aux Philippiens. Oui. Oh, l'apôtre Paul. Verset 12, chapitre 3, il dit quoi? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il n'a pas encore fini. Ou alors que j'ai déjà atteint la perfection. Non. Il est conscient. Il sait. Le verset 12. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Saisir quoi? Le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours pour le saisir, le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Non. Mais c'est ma vie, c'est l'attitude que j'ai, c'est ce que je désire. Atteindre la perfection, remporter le prix. Quel prix? Il va décrire le prix. Il dit, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. J'arrête là pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire le mot saisir. Qu'est-ce qui vous a saisi dans la vie? Qu'est-ce qui a saisi votre cœur aujourd'hui? Inspectez votre propre vie. Votre vie. Inspectez-la. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui a saisi votre cœur pour vous emmener à faire ce que vous faites? Il faut être réaliste. Il ne faut pas mettre des œillères. Il faut être vrai. Qu'est-ce qui a saisi mon cœur? Qu'est-ce qui a saisi ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais matin, midi et soir? Hein? Paul dit, moi j'ai été saisi par Christ. Il a saisi mon cœur. Il a pris mon cœur. Il a gagné mon cœur. Il a gagné. J'ai été gagné par Christ. J'ai été saisi par lui. Il y a des chrétiens qui sont saisis par beaucoup d'autres choses. Le monde, l'argent, les ambitions, saisissent le cœur. Paul dit qu'il était saisi par Christ. Voilà pourquoi je cours pour remporter le prix. Parce que je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours pour atteindre le prix, pour gagner le prix de la vocation céleste en Christ. Je n'ai pas d'autre projet, je n'ai pas d'autre vision, je n'ai pas d'autre plan. Le chrétien ne réalise pas. Il ne réalise pas aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas les plans du diable. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Paul oublie sa vie en tant que pharisien, en tant que juif, en tant que sa justification par les œuvres. Voilà ce qu'il est un peu en train de dire là. Les choses qu'il avait saisies, qui avaient gagné son cœur auparavant, c'était sa vie. Mais par la suite, il a été saisi par Christ et il a compris le prix. Quel est le prix de la vocation céleste? Il a compris que le plan de Dieu maintenant était une course vers la perfection, une course vers la maturité. Et Paul n'était pas quelqu'un qui était satisfait. Et il encourageait les chrétiens à ne jamais être satisfaits. Jamais être satisfaits de ce qu'ils ont. Parce que c'est dangereux de se plaire et d'être là où on est.
Je suis bien là. Ben, je suis OK. On peut faire attention parce que souvent on croit qu'on est OK. On croit qu'on est OK. Mais on finit par découvrir un jour qu'on n'est pas OK. Qu'on n'était pas si bien qu'on le pensait. Hébreux chapitre 12, verset 25. Qui est en train d'écouter la parole de Dieu ce matin? Levez vos mains. Qui c'est qui entend là? Entendez là? Écoutez ce morceau-là en plus. Verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, et si ceux qui refusent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Il parle, j'entends, mais j'entends pas. Tu entends, mais tu refuses d'entendre. Tu entends, tes oreilles entendent, mais tu refuses d'entendre parce que tu ne veux pas vivre ce que tu as entendu. Tu ne veux pas vivre ce que tu as entendu. C'est pourquoi c'est facile de lever la main. Il n'y a rien, il n'y a pas de rien, il n'y a rien, ça ne coûte rien. Moi je lève deux mains, je veux lever le pied aussi, je lève le pied. On lève tout, quoi. Mais il dit, gardez-vous, frères et sœurs, gardez-vous, tous ceux qui nous écoutent. Gardons-nous. Encore une mise en garde, encore un avertissement ici de l'auteur du livre des Hébreux. Gardons-nous de refuser d'entendre celui qui parle. C'est Dieu qui parle à travers sa parole. C'est le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs à travers sa parole. Il dit, gardons-nous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, n'ont pas échappé. Vous vous souvenez de l'Ancien Testament, vous vous souvenez. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas voulu suivre les conseils de celui qui publiait les oracles. Ils n'ont pas échappé, la Bible nous dit. Ils n'ont pas échappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre. Eh, mes frères et sœurs, vous avez besoin de savoir qui c'est qui parle. C'est pas un frère qui parle. C'est pas un frère qui vient la semaine prochaine qui va parler. C'est pas juste un frère. Oui, c'est un frère. Mais il faut reconnaître que c'est la voix du Saint-Esprit, que c'est la voix de celui qui a ébranlé la terre et qui a fait cette promesse. Le même Dieu qui parle, qui a ébranlé la terre, il a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai. Non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Dieu ébranle, Dieu secoue. Dieu casse. Pourquoi? Pour que les choses éternelles subsistent. Voilà pourquoi. Il ne fait pas ça parce qu'il est mauvais. Non, mais il parle. Qu'est-ce que Dieu peut faire plus que de parler? Qu'est-ce qu'il peut faire plus que de parler? Hein? Qu'est-ce que Dieu peut faire de mieux que de parler?
Quelqu'un a la réponse? Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Rien. Rien. Il parle. Il va ébranler les choses qui sont ébranlables. Afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, quand notre Dieu est aussi un feu dévorant. Jamais ignorer ce que nous avons entendu. Rappelez-vous ce qu'on a lu tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens 1, verset 3, deuxième partie, la deuxième catégorie de personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas obéi à ce qu'ils ont entendu. Non? Vous voyez ça? C'est la même chose ici. Il ne faut pas ignorer ça. Ne pas vouloir vivre ce que nous entendons est un danger. Hein? Ne pas vouloir vivre ce que nous entendons, ce que Dieu parle, ce que Dieu dit. Ah, frère, mon Dieu est un Dieu d'amour et de grâce. Bon, oui, on est bien d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. Le problème aujourd'hui, c'est que même le message de la grâce aujourd'hui a débordé. A débordé dans un sens où, parce que c'est la grâce, on fait ce qu'on veut. Hein? Et Paul pose la question, il dit, pécherions-nous parce que la grâce existe? Pécherions-nous? Et il répond très rapidement, non. Hein? Il y a beaucoup de dangers. Le moment, écoutez-moi bien, je vais aller rapidement. Le moment que vous devenez tiède est une indication. Le moment, écoutez-moi bien, je ne vais pas vous faire peur, moi. Je vais vous avertir des dangers. Le moment que vous venez à l'église simplement pour écouter un message le dimanche, vous êtes dans un mode de tiédeur. Dangereux. Devenir tiède est un danger et un risque. Vous voyez comment il faut progresser, toujours, mais quand on est tiède, il n'y a rien qui se passe. On perd notre communion avec Dieu. On perd cette communion avec Dieu. Dangereux. Dangereux. Parce que quand on perd notre communion avec Dieu, souvent on entend la voix de l'ennemi. Et qui nous donne de bonnes idées. Vous savez que l'ennemi donne des bonnes idées? Des bonnes idées pour nourrir la chair. Il donne des super idées. Si vous voulez avoir les meilleures idées possibles, allez voir l'ennemi. Pour nourrir votre chair, allez voir l'ennemi. Et vos émotions aussi. Allez voir l'ennemi. Ah, il est le maître. Si vous ressentez que votre vie est en tête d'être engloutie par le monde, vous êtes dans un mode de rétrograde. Vous prenez de gros risques. De gros, gros risques. Vous commencez à être attiré vers le monde. Oui. Vous commencez à être tenté par les attractions du monde. Risque. Le système du monde. Vous êtes attiré vers l'argent. Vous allez prendre que de mauvaises décisions. Et une mauvaise entraîne une autre mauvaise. Et entraîne une autre mauvaise. Vous avez le cycle, ça, comme ça. Et que vous mettez vos deux genoux à terre. Et que vous réalisez que vous êtes sur un chemin dangereux. Et que vous êtes en train d'être satisfait de votre vie. Satisfait de votre vie. Qui peut être satisfait de sa vie aujourd'hui? Personne ne devrait être satisfait de sa vie.
Aujourd'hui, il faut tout voir avec des yeux spirituels. Il faut être dans l'esprit. Il n'y a pas de meilleur moment en ce moment, jusqu'au retour de Christ, d'être dans l'esprit. Il faut vivre dans l'esprit et arrêter de fonctionner dans la tête. Et arrêter de fonctionner par des principes, par des théories, par des techniques. Vous savez, quand on prêche l'évangile, le chrétien doit faire attention qu'il prenne l'évangile comme une théorie et une technique et un principe. Non. Non. Ah, j'ai entendu quelque chose, donc maintenant je prends une décision. Comment tu as entendu cette chose-là? Dans l'esprit ou dans ta tête? L'esprit de l'évangile. L'esprit de l'évangile. Mais l'esprit de l'évangile n'est pas une loi. L'esprit de l'évangile a une élasticité. Comprends? N'est pas renfermé, n'est pas entre quatre murs, l'esprit de l'évangile. C'est pourquoi il faut entendre de Dieu, il faut vivre par l'esprit. Pour savoir où on doit être, savoir dans quel endroit on doit être, qu'est-ce qu'on doit faire. Hein? Jamais être satisfait. Il y a une victoire? Attention à la défaite. Tu as une victoire? Tu auras besoin d'une autre. Tu vas avoir l'autre? Tu auras besoin d'une autre encore. C'est éternel, ça. Jusqu'au retour de Christ. Ça va aller comme ça jusqu'au retour de Christ. C'est ça la perfection. C'est ça la maturité spirituelle. C'est la seule chose qui doit nous satisfaire, la seule chose qui doit satisfaire notre cœur, c'est que nous sommes conscients que nous sommes en train de grandir spirituellement. Que les choses dont j'étais captif, qui avaient saisi mon cœur, sont en train de me relâcher. Et que Christ est en train de plus en plus saisir mon cœur. Alléluia. Autrement, c'est danger. Autrement, c'est risqué. Il faut arrêter de croire parce que je suis un chrétien, c'est OK. Il faut arrêter de miser sur le nom d'appartenance à une église. Il ne faut pas miser là-dessus. C'est plus sérieux. La vie chrétienne n'est pas exempte d'une vie donnée. Amen. Comme je connais plusieurs personnes. Donc quand j'inspecte leur vie, je vois qu'ils adorent tourner en rond. Je ne sais pas pourquoi, mais ils aiment le rond. Ils n'aiment pas une ligne droite, ils aiment le rond. Et ils font des ronds, et des ronds, et des ronds, et des ronds, et des ronds. C'est tout ce qu'ils font. Et quand on leur parle, on leur dit, tu sais, il n'y a pas seulement un rond. Il y a aussi une ligne droite. Il y a aussi un développement dans ta vie. Il y a aussi un service que Dieu attend de toi. Il y a aussi une maturité. Mais ils n'entendent pas. Et quand je lui dis, t'as entendu? Oui. Et puis, quand on les revoit, ils sont toujours dans le cercle. C'est incroyable. Ils se retrouvent dans le même cercle. Mais, où est le problème? C'est dangereux de tourner en rond comme ça. C'est un vrai danger. Hein? Il y a des gros risques. Mais on ne réalise pas. On ne réalise pas qu'il y a un grand risque. On est chrétien, on est content, etc. Je termine en disant ceci. Il faut discerner aujourd'hui. Le chrétien a besoin de discerner aujourd'hui.
quels sont les éléments? Quels sont les éléments qui sont à sa portée pour le détruire? Dont le diable veut s'en servir pour le détruire. Il faut connaître ces éléments. Amen. Il faut savoir les choses qui sont dangereuses pour moi aujourd'hui. Cet élément-là, je sens que c'est un danger pour moi. La parole de Dieu me dit, j'entends, j'écoute, c'est un danger pour moi. Mais il me faut fuir. Et changer mon mode. Changer mon style, changer mon mode de vie. Changer de décision. Pourquoi Dieu parle comme ça? Pour nous rendre la vie dure? Non! Pour nous protéger, pour nous sécuriser, parce qu'il se connaît le futur. C'est pourquoi le chrétien doit avoir discerné certains éléments qui sont pour sa destruction. Ça paraît être des bonnes choses, mais pour sa destruction. Mes frères et sœurs, je prie que vous tous, vous soyez toujours là. Et que moi aussi, je sois toujours là. Servons le Seigneur au jour de l'avènement. Et que je ne sois pas, je ne sais trop où, à gérer ma vie. On ne réalise pas le danger. On ne réalise pas le danger d'entrer dans des pièges, de toucher à certaines choses. On ne réalise pas que ce sont des choses qui, c'est comme un aimant qui nous attire. Pour le moment, ça va. Je suis toujours à l'église. Vous savez, vous connaissez, vous tous vous connaissez. Vous êtes tous au courant d'au moins un frère ou deux frères qui étaient dans l'église qui ne sont plus. Vous êtes au courant? Vous êtes au courant? Tout le monde est au courant. Pourquoi? Pourquoi? Ah ben tu sais, peut-être qu'ils retourneront. Peut-être. Peut-être. Tu peux être sûr? Tu peux être sûr, toi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Combien vont perdre la foi dans les derniers jours? Combien? Vont perdre la foi dans les derniers jours? Combien? Qui peut dire que moi je suis exempté de ça? Personne n'a le droit de dire une chose pareille. Parce qu'on a vu, on a connu des hommes spirituels finir par des grandes chutes, loin de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, prenons les conseils de Dieu au sérieux. Moi, je vous parle de la parole de Dieu. On ne peut plus, il ne faut plus parler de ce que quelqu'un a dit. Quelle est la sécurité dans ce qu'il a dit? À moins que ce soit en ligne avec ce que Dieu dit dans sa parole. Il faut se limiter à la parole de Dieu et recommencer peut-être à prendre au sérieux toutes les paroles de Jésus que l'Église a souvent oubliées parce qu'elle a été noyée par le message de la prospérité et d'autres fausses doctrines. Pour nous tous, pour ceux qui nous écoutent, je termine. Soyons éveillés. Et ne soyons jamais satisfaits de ce que nous sommes. Tu es là aujourd'hui, demain tu peux ne plus être là. Je ne parle pas de mort, non. Je parle d'être éloigné de Dieu. C'est ça que je parle. Hein? Tu es là aujourd'hui, qui sait si tu seras là dans un mois? Ou peut-être noyé par une situation. Et pourquoi discernons certains éléments qui sont là, qui attirent, qui paraissent ok,
Ok, ça va, je peux contrôler cette chose-là. Jusqu'à quand tu peux contrôler? Que le Seigneur nous aide à vraiment nous retourner vers cette parole et de prendre au sérieux les paroles du Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de paroles aujourd'hui que nous lisons qui ont été ignorées pendant trop longtemps. L'Église a ignoré beaucoup dans la parole de Dieu. Beaucoup. Nous avons besoin, l'Église en entier a besoin de la retrouver. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur, par sa grâce, saisisse notre cœur pour lui. Levons-nous, nous allons prier le Seigneur. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.